que nous avons utilisé sur nos cartes d'invitation. Conférence de presse. Le champagne est un symbole, symbole de gaieté, de joie, de luxe, de succès. Et regardez la forme de la bouteille. Elle n'a fait que changer au fil des ans. Elle fut du temps des premiers moines bénédictins, rond, pensu, et puis elle s'est peu à peu élancée. Et c'est ainsi qu'il était normal que le champagne d'Étinger veuille un jour apporter sa pierre à cette recherche ininterrompue depuis 3 siècles. Déjà, tant d'artistes connus ont déjà participé, comme Utrillo, comme Capiello, comme Bonnard, comme Canet, Lalique. Aussi, nous sommes tournés vers un homme que je n'avais pas le plaisir de connaître personnellement, mais dont j'avais apprécié depuis des années la sensibilité artistique et dont j'admirais profondément le génie créateur. Je peux dire aujourd'hui que Victor Vasarely a su traduire nos espoirs, nos pensées sans les trahir. Et je lui en serai toujours personnellement reconnaissant. C'est le peintre de la lumière, il a jeté de l'or sur la bouteille pour en accroître son prestige. C'est le peintre du mouvement, il a été le chef d'école du cinétisme, et par un effet d'optique heureux, en utilisant le procédé du Vega, il arrive à donner à l'étiquette traditionnelle de champagne un mouvement, un équilibre qui suggère l'idée d'un perpétuel recommencement. J'avais suivi au cours de visites au musée de Cordes, au musée d'Aix-en-Provence et bien entendu dans tous les grands musées modernes la progression de la recherche de Victor Vasarely. Et j'étais convaincu parce que ce n'est pas simplement un peintre, c'est un artiste, comme ces artistes de la Renaissance qui sont en même temps des architectes, des bâtisseurs. J'étais sûr qu'il arriverait à répondre à toutes nos préoccupations et à nous donner une bouteille qui, pour un certain nombre de raisons, je crois, date dans l'histoire d'un champagne. Je suis reconnaissant à Victor Vasarely de cette œuvre et je le suis encore plus reconnaissant d'avoir permis à la société d'Étinger que je préside de rejoindre le mouvement qui tente en ce moment à rapprocher les entreprises des artistes. Merci Victor Vasarely de ce que vous avez fait. Merci à tous ceux qui ont travaillé à vos côtés, votre fils, votre famille, Philippe Cour, notre ami Girard, notre ami Chervier, toute cette équipe qui à vos côtés a résolu les problèmes techniques que cette bouteille posait. Il ne me reste plus maintenant, comme le capitaine d'un bateau qui brise une bouteille sur la coque du navire, à lui souhaiter bonne chance et à lui dire qu'elle portera les vœux de Victor Vasarely et de notre maison au milieu d'amis inconnus et connus que nous comptons, lui et nous, à travers le monde. Merci.